Ce vendredi 26 avril, la finale de la 13e saison de Danse avec les Stars a eu lieu sur TF1. Et après 10 semaines de compétition, Camille Combal a annoncé le nom du grand gagnant. Qui va soulever le trophée. Ce vendredi 26 avril, TF1 a diffusé la grande finale de la 13e saison de Danse avec les Stars et trois candidats se sont disputés la première place, Nico Capone, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Et la saison a été pour le moins mouvementée. En effet, de vives tensions ont éclaté entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre dans les coulisses de l'émission. La première a reproché à la seconde ses propos jugés déplacés après une mauvaise blague. Après des jours de remue-ménage sur les réseaux sociaux, les tensions se sont finalement apaisées entre les deux candidates remettant la compétition au centre des intérêts des fans du programme. Car il ne faut pas l'oublier, le casting 5 étoiles a permis de redresser les audiences du programme, après des années de forte baisse. Les audiences ont donc permis à l'émission d'être renouvelée pour une 14e saison, à retrouver l'année prochaine sur TF1. Du côté des danseurs, la saison a été également riche en émotions, avec les difficultés physiques d'Anthony Colette, les blessures d'Ino Van Damme ou encore les larmes de Christophe Licata à l'approche de la grande finale. Quelle star a fait le déplacement pour la finale? Lors de la soirée, Billy Crawford, le gagnant de la précédente saison de Danse avec les Stars, a fait le déplacement pour venir soutenir les finalistes. Bonjour. Wesh ma gueule. Si est Billy Crawford. Rendez-vous vendredi soir pour la finale de Dal. Ouais. Qui va gagner? Si est pas grave, si est pas le problème. Je serai là pour remettre le trophée et je chanterai ma nouvelle chanson Oulala. Bonne chance aux trois finalistes et à vendredi sur TF1, a-t-il expliqué en amont, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Qui a gagné la 13e saison de Danse avec les Stars? Dès le début de l'émission, Camille Combal a expliqué le fonctionnement de la finale. Au cours de l'émission, un premier candidat, jugé à moitié par le public et le jury, a été éliminé. Il s'agit d'Inès Reg. Un duel final a opposé Natacha Saint-Pierre et Nico Capone. Le gagnant a été choisi à l'unanimité par le public. Et au terme d'une soirée riche en rebondissements, c'est finalement Natacha Saint-Pierre qui a remporté la 13e saison de Danse avec les Stars.